Bonjour. On va commencer. Merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux pour assister à cette table ronde qui vous est proposée par la commission Bibliothèque en réseau, dont je suis membre, et à ce titre, c'est pour ça que je vais avoir l'honneur et le plaisir de l'animer. Nos intervenantes sont Flora Gousset, qui est la directrice du pôle lecture publique de l'agglomération du réseau des bibliothèques de Cœur d'Essonne, une communauté d'agglomération. Lauriane de Mangeon, que je ne vous présente pas parce qu'au bout du deuxième jour, immanquablement, vous l'avez forcément déjà vue quelque part, puisqu'elle est sur toutes les tables rondes. Mais qu'elle est accessoirement directrice adjointe du réseau de lecture publique de la communauté d'agglomération d'Épinal. Et nous devions accueillir Florence Lepichon, qui est chargée de mission à l'Agence régionale du livre, Livre et Lecture en Bretagne, et qui malheureusement, pour des raisons personnelles graves, n'a pas pu venir parmi nous. Donc, le grand intérêt de son intervention aurait été surtout qu'elle puisse répondre à vos questions, ce que malheureusement nous ne serons pas en mesure de faire. Donc ce que je vous propose, c'est simplement de vous brosser à grands traits la démarche qui a été suivie en Bretagne en ce qui concerne les réseaux, et puis de vous indiquer les liens vers lesquels vous pourrez vous renseigner plus avant. Et surtout, il y a dans la salle des collègues qui ont participé à la démarche et qui, si cela vous intéresse, pourront éventuellement répondre à des questions quand on en arrivera aux questions. Pour ce qui concerne donc l'heure et demie qu'on va passer ensemble, on commencera après donc la présentation de la démarche de livre et lecture en Bretagne par un bref portrait de chaque territoire. Ensuite, on enchaînera trois séquences thématiques et puis ensuite vous pourrez poser toutes vos questions. L'objectif, le but de cette table ronde, c'est dans la thématique, les bibliothèques sont-elles indispensables ? Pour se rendre indispensables, les bibliothèques doivent être en mesure de rendre les services qui sont attendus par la population dans une proximité raisonnable et avec des services de la meilleure qualité possible. Et donc, nous proposons, par l'échange de pratiques d'aujourd'hui, de vous démontrer, si c'est nécessaire, par quels moyens la mise en réseau participe à l'amélioration de la proximité et à l'amélioration de la qualité des services rendus au public. Nous avons donc un réseau semi-urbain de la grande couronne parisienne, et puis un réseau dans un territoire plus rural autour d'une ville-centre. Et je vais laisser donc Flora ou Lauriane vous brosser d'abord un très bref portrait du territoire. Ah non, mais j'ai oublié Livre et Lecture en Bretagne. S'il vous plaît. Donc, Florence devait vous parler non pas d'un réseau, mais d'une démarche de mise en réseau de réseaux pour favoriser la coopération en fait, entre les professionnels et se créer des outils. Vous savez que dans les territoires, il n'y a pas forcément beaucoup de réseaux, que du coup le poste de coordinateur, de coordinatrice est un poste parfois solitaire, que c'est en plus une profession nouvelle et qu'il était extrêmement nécessaire, ressenti comme un besoin vraiment important par les collègues en place, de faire un partage de pratiques et de se créer des outils. Il y avait d'autre part, de la part de la DRAC de Bretagne, une forte volonté de soutenir la mise en réseau, ce qui a conduit à mettre en place une démarche à l'échelon régional qui a été pilotée par Livre et Lecture en Bretagne, donc l'Agence régionale du livre, mais qui a comporté un comité de pilotage composé de tous les décideurs des acteurs de la lecture publique, donc la DRAC de Bretagne, les directions des quatre bibliothèques départementales de la région, et je ne sais pas tout par cœur. Et si vous voulez bien descendre un peu, non,
vois rien du tout. Ah oui, c'est pas le bon en plus. Attends, mais je l'ai là en fait. Excusez-moi. Et de l'ABF Bretagne, très important, voilà, pour le comité de pilotage. Et ensuite, des groupes de travail étaient composés de coordinateurs et de coordinatrices pour construire les outils. La démarche a été d'une rare efficacité à un échelon aussi important, puisqu'en l'espace de 2 ans, les groupes de travail ont réussi à produire des outils aussi importants que une infographie. J'ai perdu. Je suis désolée. Mais oui, mais c'est parce que c'est le monsieur qui ne nous donne pas le bon. Est-ce qu'on pourrait avoir l'autre site internet qui était sur le lien qu'on vous a donné, s'il vous plaît ? Mais moi, je vois rien. Encore l'autre, celui qui s'intitule... Voilà, merci beaucoup. Bon, plutôt que de bafouiller, je préfère vous laisser vous référer au site, en fait. Mais en tout cas, elles ont produit en l'espace de 2 ans des outils aussi importants qu'une infographie sur le rôle des coordinateurs de bibliothèque, des fiches pratiques sur la politique documentaire en réseau, sur la navette, sur tous les outils dont vous avez besoin. Un jeu de cette famille qui peut permettre d'une façon ludique de présenter la démarche de mise en réseau et qui peut servir d'outil à des réunions avec des élus pour arriver à les convaincre. Et elles ont fini par organiser une journée professionnelle qui a rencontré un grand succès. Tout ça, vous pouvez le retrouver en restitution sur leur site. Et je suis désolée de ne pas faire justice à cette démarche qui a été vraiment exemplaire et efficiente, efficace, et qui, je pense, a répondu aux nombreux besoins des collègues. Donc je m'excuse auprès de vous, les collègues qui ont participé à cette démarche, et j'espère que vous lui ferez justice et qu'il y aura des questions en fin de session à ce propos-là. À moins que quelqu'un veuille intervenir maintenant. On attend après. Désolée pour ce petit ratage de début, c'est vrai que c'est pas facile d'improviser par rapport à ce qui était prévu. Nous revenons donc à nos 2 intervenantes et au petit portrait de leur territoire. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis donc, comme Claire l'a indiqué, directrice adjointe du réseau de lecture publique de la communauté d'agglomération d'Épinal et je suis en particulier en charge de la coordination des médiathèques de proximité. Donc, j'ai pris mon poste en janvier 2019, qui correspond au moment du démarrage de l'élaboration d'un schéma directeur de la lecture publique, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, le portrait de cette communauté d'agglomération, donc, elle se situe dans le Grand Est, dans les Vosges, et c'est un territoire qui couvre 1/3 du département des Vosges. Un territoire qui regroupe 78 communes pour un peu plus de 111 000 habitants. Et sur son organisation, c'est une ville-centre, Épinal, qui compte plus de 32 000 habitants. Et sur ce territoire, en fait, il y a 2 seules communes de plus de 8 000 habitants, Épinal et Golbey. Et sinon, ce sont des communes plus rurales, donc 52 communes qui comptent moins de 1 000 habitants et la plus petite commune du territoire qui en compte 52. Donc, plus on s'éloigne de la ville-centre, plus on est dans la ruralité affirmée. Et à noter que les 2 plus grosses communes du territoire comptent aussi des quartiers politiques de la ville. Il y en a notamment 2 à Épinal et 1 à Golbey. Sur ce territoire, les 3/4 des actifs résident sur ce territoire pour y travailler. Mais on note notamment le départ des jeunes actifs et des couples avec enfants. La dynamique démographique est profitable au territoire périurbain et il y a un vieillissement affirmé de la population qui est plus marqué dans le sud de ce territoire. Ce territoire, au niveau politique, il est organisé de manière classique avec un président, 12 vice-présidents et une personne conseillère déléguée à la lecture publique, qui là aussi est une nouveauté depuis quelques temps. Un territoire qui est très porteur au niveau culturel, avec un engagement fort pour la culture, avec 18 millions d'euros qui sont consacrés à la culture, ce qui représente 36% du budget de fonctionnement de la collectivité, ce qui n'est pas rien. Ça revient à peu près à 156 euros par habitant, ce qui est quand même à souligner. Sur ce territoire, on compte différents équipements communautaires qui sont structurants, les bibliothèques, un conservatoire à vocation départementale, une école de musique intercommunale, Seine-Vosges qui est un organisme pour déployer la scène, tout l'événementiel, cirque, théâtre et puis
concert, et puis la Souris Verte, qui est la SMAC, la scène de musique actuelle, et puis des équipements qui ont des liens forts avec la ville d'Épinal, qui, quant à elle, conserve les compétences de musée et autour du patrimoine, et organise de nombreux festivals qui se font écho sur l'ensemble du territoire, notamment les Imaginales, Épinal Bouge l'été, Rue et Compagnie, les Larmes du Rire, la Fête des Images, j'en passe. Avec une politique aussi centrée autour d'un pass communautaire et une politique tarifaire modeste, et puis, pour ce territoire, un projet culturel de territoire en cours de formalisation et qui se fait écho là aussi d'un projet de territoire qui va s'écrire petit à petit. C'est une communauté d'agglomération qui s'est construite au gré des recompositions territoriales et il y a encore des travaux de coordination qui sont importants à mener. En matière de bibliothèque sur ce territoire, plusieurs bibliothèques existent. Une médiathèque départementale qui a son siège à Épinal, 6 médiathèques communautaires, 33 médiathèques municipales, 10 bibliothèques associatives sous le sceau de l'Union nationale culture et bibliothèque pour tous, 3 bibliothèques universitaires de l'Université de Lorraine et 4 centres de documentation, celui du conservatoire, celui du musée de l'image, du musée départemental d'art ancien et contemporain et de l'école supérieure d'art de Lorraine. Et pour ce qui concerne le réseau de lecture publique de la communauté d'agglomération, ce réseau comporte 8 médiathèques communautaires et 7 médiathèques municipales en partenariat, plus 6 qui sont en cours de coopération. J'y reviendrai tout à l'heure. Bonjour à tous, donc moi je suis Flora Gousset, donc je suis directrice du pôle lecture publique depuis le 1er juillet 2021, mais je travaille sur ce territoire depuis 2009. Donc cœur d'Essonne, on est en Ile-de-France, donc en Essonne, on est effectivement sur un territoire semi-urbain, donc très urbain au niveau du nord avec plusieurs quartiers politiques de la ville et la plus grosse prison d'Europe, Fleury-Mérogis, et au sud plutôt rural. On est sur une collectivité qui est assez jeune en fait, qui est issue de la fusion de deux agglomérations depuis 2016, donc le Val d'Orge qui était la partie nord du territoire et l'Arpajonnais, donc plutôt la partie sud du territoire. Notre spécificité du fait de cette fusion, c'est qu'on avait un réseau déjà préexistant communautaire sur la partie nord, donc Val d'Orge, et dont maintenant nous avons 14 médiathèques communautaires, donc en régie directe, et nous avons 11 médiathèques municipales sur la partie sud. Donc un petit peu, en fait, j'ai un petit peu une double casquette. Je suis directrice d'un réseau et coordinatrice pour les médiathèques municipales. Au niveau du territoire, donc nous, c'est 200 000 habitants, 21 communes. On a donc un président d'agglomération et un élu culture pour piloter cette politique de lecture publique, avec une commission culture aussi qui rassemble un peu tous les élus cultures du territoire. Au niveau de quelques chiffres, on a une centaine de bibliothécaires communautaires auxquels se rajoute une quinzaine de bibliothécaires municipaux et une cinquantaine de bénévoles. Donc ça rajoute aussi cette petite complexité de bénévoles. Je voyais que Lauriane donnait aussi quelques éléments un petit peu sur le paysage culturel, donc je n'avais pas prévu initialement, mais je pense que c'est bien de le préciser. Donc la spécificité, mais j'y reviendrai plus tard, c'est qu'on a aussi deux opérateurs structurants sur la lecture. On a l'association justement Lire, c'est vivre qu'on subventionne, qui est présente au salon aujourd'hui, qui est en fait un réseau de bibliothèques au sein de la prison de Fleury-Mérogis et avec qui on travaille. Et on a aussi un salon du livre de la jeunesse sur Saint-Germain Arpajon, qui est le deuxième plus gros salon du livre jeunesse après celui de Montreuil. Et donc, nos bibliothécaires sont très impliqués également sur ce territoire, sur ce salon. Je pense que j'ai un petit peu dressé le portrait dans les grandes lignes. Oui, de toute façon, je pense que tu vas revenir sur ces éléments par la suite. On va commencer par la thématique du maillage. Hein. Donc, la question de cette table ronde, c'est en quoi le fait de se mettre en réseau peut contribuer à améliorer le maillage territorial de lecture publique. Pourquoi est-ce que le fait d'être en réseau permet aux habitants d'avoir des établissements de meilleure proximité, de pouvoir les fréquenter plus facilement? Donc, je pose d'abord la question à Lauriane. Non, c'était à Flora. C'est pas grave.
Donc au niveau de Cœur d'Essonne, comme je le disais précédemment, initialement on avait une agglomération qui s'appelait le Val d'Orge, qui a émergé en 2011, donc transfert des médiathèques municipales à l'époque à cette agglomération-là, et la volonté de mettre en place un diagnostic territorial. De ce diagnostic, on a identifié la nécessité de mettre à niveau 5 équipements de lecture publique qui étaient en deçà des moyennes nationales des préconisations. Et donc une grande ambition en tout cas de nos élus pour investir sur ce territoire et investir dans la lecture publique. En parallèle, les médiathèques municipales qui n'étaient pas encore en réseau ont elles aussi eu des élus qui étaient très engagés et qui ont souhaité construire des nouveaux équipements sur leur territoire. Le point positif, c'est qu'on arrive sur un réseau avec un très bon maillage sur le territoire, puisqu'on a une bibliothèque à minima par ville. Donc sur les 21 villes, on a forcément une bibliothèque. On a un bon équilibre, on va dire, de distance entre ces différents équipements. Et mine de rien, sur 25 médiathèques, au total, en l'espace de 10 ans, on a eu 12 constructions, extensions ou réhabilitations. C'est énorme, c'est quasiment la moitié. C'est vrai qu'on constate effectivement un engagement assez fort. Et pour nous, c'est une vraie opportunité, parce que qui dit nouvel équipement, dit repenser sa façon de fonctionner. Et c'est plus facile d'impulser une dimension réseau quand on est forcément obligé de repenser déjà rien qu'un équipement et son fonctionnement interne. Donc on le voit là, j'ai reprécisé en détail, les médiathèques communautaires, rien que celle-ci, on a eu 6 projets construction, on est en train de sortir la dernière médiathèque de terre, enfin notre plus gros projet sur Sainte-Geneviève-des-Bois, dont la directrice est ici, c'est Eleonora Le Bouec. Et on a encore d'autres projets réhabilitation à venir. Et sur les médiathèques municipales, c'est quand même 5 construites et encore une qui a été inaugurée cette année. Et alors les médiathèques municipales, qui les a construites ? Alors il y a eu des subventions effectivement aussi de notre agglomération. Donc en fait il y avait déjà cet engagement fort de notre agglomération aussi pour ces bibliothèques qui étaient sur le territoire. Et après c'est vraiment des volontés des élus municipaux. Donc elles sont pour le moment restées sous tutelle municipale. D'où aussi cet attachement fort des élus à ne pas transférer ces équipements, puisque nous on avait déjà cette compétence de gestion des équipements culturels et gestion des équipements justement de lecture publique. Et en 2016, on a pris la compétence mise en réseau des équipements de lecture publique sur le territoire pour pouvoir, en 2017, proposer un portail commun, une carte unique avec gratuité pour l'ensemble des habitants de Cœur d'Essonne et en dehors de Cœur d'Essonne. Donc en fait, on est gratuit pour le monde entier. Ça, c'est plutôt pas mal. et une navette commune. Donc on a tous les jours 2 circuits qui circulent 5 jours sur 7 sur l'ensemble de nos 25 médiathèques. Donc aussi un engagement fort, mais j'y reviendrai juste sur la slide suivante, ce qui me fait une bonne transition. Et le point lecture, alors ? Alors, les points lecture. Effectivement, sur nos médiathèques municipales, donc c'est vrai que notre mise en réseau informatique, on l'a fait en 2 temps. On a d'abord intégré les 8 médiathèques municipales qui avaient des agents. Donc, quand je dis des agents, pour beaucoup, certaines, elles ont seulement un ETP. Donc, c'est pour ça qu'on est très dans l'accompagnement de ces médiathèques, puisqu'elles sont pour beaucoup en sous-effectif par rapport aux préconisations nationales. Et en fait, les 3 points lecture qu'on a sur notre réseau, Guibville, Avrinville et Aigli, on les a intégrés au réseau seulement entre 2021 et on est en train de terminer avec la dernière Guibville, puisque ce sont des points lecture uniquement gérés par des bénévoles. J'y reviendrai après, mais ça pose aussi la complexité, puisque, avec comment on articule notre travail avec la médiathèque départementale de l'Essonne, puisque comme on est sur la Grande Couronne, on a des médiathèques départementales. Et typiquement, se pose la question de quel est notre rôle à nous en tant qu'agglomération, quel est le rôle de la médiathèque départementale. Eux-mêmes, nos collègues des bibliothèques municipales nous disent on est schizophrène en fait, on est devenu schizophrène, on a un réseau ville, on a un réseau agglomération, on ne sait plus à qui en référer, à vous, à la médiathèque départementale. Donc c'est vrai que ça, mais on y reviendra, mais ça pose une certaine complexité. Alors j'enchaîne avec la slide suivante. Donc effectivement, très vite, on a mis en place des services mutualisés. On s'est appuyé sur l'existant, sur ce qu'on avait déjà mis en place sur le réseau précédent Val d'Orge. Et notre souhait, notre volonté, qui a été vraiment confortée aussi par les élus, c'était de pouvoir
avoir le même traitement pour l'ensemble des habitants de ce territoire. Donc, ce qu'on mettait en place déjà pour nos médiathèques communautaires, on en fait bénéficier les médiathèques municipales, et pour le coup, sans tarification. Donc, on a un conventionnement, mais à titre gratuit, pour justement tous ces services qu'on leur propose. Donc ces services, comme je disais précédemment, on a ce prêt interbibliothèque, assez classique et en même temps ambitieux, puisqu'on est 5 jours sur 7, il y a vraiment cette circulation 5 jours sur 7, on peut emprunter, on peut faire les réservations sur les documents en rayon, on peut rendre leurs documents dans n'importe quelle médiathèque du réseau. Mais en plus de ça, notre prêt interbibliothèque, très vite, il s'est substitué à la navette MDE, c'est-à-dire que au moment de demander cette subvention pour un nouveau véhicule, la MDE nous a dit c'est simple, en fait on vous octroie cette subvention et puis vous allez chercher les caisses de documents des livres qui sont prêtés dans vos médiathèques et les caisses de kit animation. Donc, c'est-à-dire que nous, toutes les semaines, on fait un passage à la médiathèque départementale, ce qui n'est pas le cas dans tous les réseaux. Et en parallèle, nos chauffeurs font aussi les retraits d'exposition dans toute l'Île-de-France pour nos actions culturelles. Récemment aussi, on a un projet un peu particulier, c'est que effectivement, on est sur un territoire entre ville et campagne. Cardesson Agglomération fait partie des lauréats sur les projets TIGA. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est Territoire d'innovation grande ambition. Et on a été lauréat sur un projet qui s'appelle Sésame pour la transition agricole et alimentaire. Donc c'est là qu'on voit la partie rurale de notre territoire. Et donc on est très très engagé, notre agglomération, sur le consommer autrement, sur le développement durable. Et donc nos chauffeurs font aussi un petit peu des bibliobus, c'est-à-dire, c'est pas vraiment un bibliobus, c'est des escales du consommer autrement avec des bibliothèques éphémères une fois par mois dans différentes médiathèques. Ça aussi c'est une petite originalité qu'on peut avoir sur notre territoire. En parallèle, très rapidement, donc nous, on avait déjà une programmation commune sur les anciennes médiathèques du réseau précédent. Donc, on a souhaité très vite associer les médiathèques municipales à cette programmation. Donc, on a des temps forts auxquels on finance des actions culturelles pour ces médiathèques-là aussi, pour pouvoir leur permettre surtout de faire des propositions dans cette programmation réseau. En parallèle, sur le réseau précédent, on avait déjà mis en place un parc numérique commun. Donc en fait, on fonctionne un petit peu comme une mini bibliothèque départementale, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qu'on a longtemps fait, c'est qu'on testait le matériel qui était proposé kit animation par la médiathèque départementale. Et une fois qu'on se disait « Ah, c'est vachement bien, on va en faire l'acquisition pour le réseau et après, on va le prêter à nos médiathèques. » Donc, et ça s'est développé de plus en plus. J'y reviendrai à la slide suivante. Mais effectivement, on a vraiment un parc de matériel numérique et d'animation de plus en plus conséquent et avec ce système de réservation, et on profite de notre navette. Donc c'est-à-dire que les médiathèques municipales qui sont au sud, puisque c'est vrai que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que du nord du territoire au sud du territoire, c'est une heure de voiture, donc c'est quand même un peu complexe pour se déplacer quand même. Bon, je pense que sur d'autres ça peut être un peu plus complexe. Une heure de voiture en circulation normale ou aux heures de pointe? En circulation normale, voilà. Donc effectivement, ce service de navette, c'est vraiment un plus. En parallèle, donc toujours par rapport à notre lien sur le territoire de transition agricole et alimentaire, on a mis en place un réseau de grainothèques. Donc là aussi, on a financé des grainothèques puisqu'il y avait du mobilier un peu spécifique qu'on a mis en place pour ces médiathèques municipales. Et enfin, bien sûr, on a des acquisitions réseau, et même si nos médiathèques municipales ont des budgets propres pour leur acquisition, pour leur action culturelle, il y a certains domaines qui pour nous ont semblé évidents qu'il fallait que ce soit des acquisitions réseau, et notamment les livres numériques, c'est un budget communautaire, les jeux vidéo, on fait des acquisitions pour l'ensemble du réseau, et pareil, les ressources numériques, les médiathèques municipales bénéficient de nos ressources numériques et non plus de la bibliothèque numérique proposée par la médiathèque départementale. Donc j'y reviens effectivement parce que c'est une petite spécificité de notre réseau, ce parc numérique qu'on a mis en place. Donc c'est vrai que très vite, on a des bibliothécaires sur notre réseau qui sont très engagés sur le numérique. On a eu très vite, même bien avant le réseau de la ville de Paris, on avait cet événement sur les semaines du numérique dès, je pense, 2012-2013. Et donc, des bibliothécaires qui se sont formés très vite au numérique, qui sont hyper bidouilleurs, qui adorent faire des actions culturelles différentes,
je vais plus vite. Voilà, et donc du coup ce parc qui a amené de plus en plus à se développer avec des robots de codage informatique, et on a mis en place récemment des Fab Labs mobiles aussi, donc sur le même principe que ce que fait une médiathèque départementale. Et là aussi, on va pouvoir le réserver directement sur cette plateforme, qui est une plateforme toute simple, le GRR. Et puis, on va mettre aussi tout notre matériel d'animation, d'action culturelle. En parallèle, on est en train de réfléchir à comment mieux penser nos accueils de classe à l'échelle du réseau. Puisque très vite on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de disparités en termes d'accueil des scolaires, et moi je souhaiterais qu'il y ait une vraie équité de traitement de tous les élèves qui sont sur le territoire. Donc déjà on reçoit 13 000 sur 18 000 scolaires. Bon, il y a aussi la problématique que pour les médiathèques municipales qui ont très peu d'effectifs, c'est difficile pour eux de recevoir plus de classes. Mais surtout, avec ces projets de construction, encore une fois, ça nous a poussé en fait, à repenser aussi cette question d'accueil de classe. On s'est retrouvé avec la ville, par exemple, Sainte-Geneviève-des-Bois, comme on a ce projet de construction, on commence à recevoir des classes de Sainte-Geneviève sur la ville de Villemoisson qui est juste à côté. Et là, comme on va devoir fermer une des annexes sur Sainte-Geneviève-des-Bois aussi, on s'est rendu compte que c'est plus simple pour eux d'aller sur la médiathèque de Villiers-sur-Orge qui est à côté. Et donc, on va commencer à avoir vraiment cette réflexion-là de se dire, on arrête de penser à, dans ma ville, on n'accueille que nos groupements scolaires. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que dans une ville où il y a très peu d'accueil scolaire, enfin très peu de groupements scolaires, on se retrouve avec des classes qui sont accueillies 5, 6 fois, 6 créneaux dans l'année. Et puis, bien sûr, sur les grosses villes, donc je ne l'ai peut-être pas dit, mais donc, on a quand même 4 villes avec plus de 20 000 habitants. Sur ces villes-là, bien sûr, les classes peuvent être accueillies au mieux une fois par an. Donc, on a un stagiaire INED, j'en profite pour le dire, puisque ce matin, il a animé une table ronde sur la réussite scolaire. Donc, on a Pierre-Antoine Pinelli qui travaille justement sur ce sujet pour pouvoir mieux accueillir nos primaires et pour pouvoir aussi développer l'accueil des secondaires, puisqu'on n'est pas très bon là-dessus, comme beaucoup de réseaux. Et ben voilà, tu vois, j'étais vite. Alors, du côté de la communauté d'agglomération d'Épinal, donc c'est un réseau qui s'est construit de manière progressive, au gré des recompositions territoriales et des opportunités et choix politiques. Donc, l'aventure a commencé en 2009 avec la construction d'une nouvelle médiathèque pour Épinal, la BMI d'Épinal, qui est donc l'équipement phare du territoire avec plus de 4 300 m². Et puis son pendant avec un relais BMI à Golbey, la deuxième commune plus importante du territoire à ce moment donné, un petit relais de 120 m². En 2013, donc nouvelle recomposition territoriale, extension du territoire avec d'autres communes et deux transferts de médiathèques. La première, c'est la médiathèque de Thaon-les-Vosges, qui était intercommunale à l'échelle de sa communauté de communes. Et la deuxième, celle de Desvillers, qui là était un équipement municipal, et c'est une volonté forte de Madame le maire de rejoindre le réseau intercommunal à ce moment-là. Nouvelle recomposition territoriale en 2017, le territoire grandit encore et englobe désormais le Val de Vosges, qui était une autre communauté de communes, sur laquelle préexistait déjà un réseau de bibliothèques qui était beaucoup plus ancien, puisque c'était un ancien relais de lecture en campagne qui avait à ce moment-là plus de 15 ans d'existence, avec déjà des habitudes de fonctionnement en petit réseau entre bénévoles. En 2017, donc, transfert de la médiathèque de Bains-les-Bains, qui était la tête de réseau sur ce réseau, et de la compétence qui était liée à ce réseau, à savoir informatisation, mise en réseau et action culturelle, donc entre Bains-les-Bains et 6 médiathèques municipales du Val-de-Vosges, entièrement gérées et animées par des bénévoles. Donc en 2017, on se retrouve avec un réseau à 11 médiathèques, 6 médiathèques intercommunales, et puis et les autres municipales. Je suis nulle en maths. Avec un constat, celui que sur ce nouveau territoire élargi, il y existe d'autres équipements de lecture publique qui ne travaillent pas ensemble, des zones qui sont peu ou pas pourvues de médiathèques, des équipements qui sont sous-dotés, inadaptés, et puis quelques projets en réflexion. Et à ce moment-là, il y a un portage politique qui est très favorable au développement d'une offre équilibrée en matière de lecture publique sur le territoire. Et donc un besoin qui se fait ressentir, qui est celui de se doter d'une feuille de route de manière à améliorer et étendre ce réseau. Donc est lancée en 2018 une étude diagnostique en vue de l'élaboration d'un
schéma directeur de la lecture publique. Alors, on ne part pas de rien. Il y a déjà un certain nombre de diagnostics qui existent sur le territoire. Le concours du cabinet d'études, le troisième pôle, est fait de manière à avoir un document qui nous permette d'avancer avec un œil extérieur. Pour élaborer ce schéma, il y a également un comité de pilotage qui est monté avec les élus du territoire, la DRAC et la médiathèque départementale des Vosges. Tout un cheminement qui est à chaque étape abordé et approuvé par la commission culture, de manière à arriver en octobre 2019 à une validation pleine et entière du diagnostic et d'un plan d'action avec l'ensemble des élus du conseil communautaire. L'objectif de ce schéma est bien celui de développer et d'animer la lecture publique de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire de la CAE et en plan d'action différentes pistes qui sont proposées. À savoir, la première, c'était le besoin de structurer ce réseau. Du nord au sud, c'est quand même un territoire très étendu. Et sur ce territoire, les gens ont des habitudes de vie. Et la Scalène avait notamment établi l'existence de bassins de vie qui nous paraissait très intéressant de conserver pour monter un réseau en secteurs. Sur le territoire, donc, 5 secteurs d'identifier, avec la volonté d'avoir une bibliothèque structurante sur chacun de ces secteurs à qui on donne des fonctions de développement et d'animation de la lecture publique, soit un rôle tête de réseau sur chaque secteur. Avec la vocation que chaque bibliothèque tête de réseau relève à terme d'une compétence de la CAE. Et puis, pour travailler avec toutes les autres bibliothèques municipales, ou en tous les cas celles qui sont prêtes à travailler avec le réseau, des conventions qui puissent permettre de définir les modalités de coopération entre chaque commune et la CAE. En matière de circulation des documents et des usagers, ce qui est vraiment au cœur de ce que vous voulez mettre en place de manière à revoir l'offre, la proposition d'un SIGB commun et puis d'une navette qui est portée en interne à ce jour pour faire le lien entre les différentes bibliothèques. En matière de politique documentaire, il a été retenu le choix d'avoir une complémentarité des bibliothèques avec une gestion décentralisée. Chaque bibliothèque garde la main sur sa politique documentaire de manière à être vraiment en lien avec les publics desservis et puis de préserver aussi l'identité de chacune de ces bibliothèques. C'était notamment un élément très, très souligné par les bibliothèques municipales au moment de rejoindre le réseau, de dire mais attention comment ça va se passer, on ne fait pas d'ingérence, ils gardent la main sur la gestion de leur équipement. Toutefois, comme nous partageons le même catalogue, il est aussi possible de voir la répartition de certains achats. En matière d'action culturelle, là aussi, la volonté d'avoir à la fois une programmation qui concerne l'ensemble du réseau, mais aussi une programmation locale qui se fasse en lien avec les acteurs et les événements de chaque secteur, et puis d'avoir une attention assez forte sur tout ce qui touche à des actions d'accompagnement au numérique. En matière de communication, la volonté d'avoir une identité forte et commune pour l'ensemble du réseau et à terme une campagne de communication. Et puis, parmi cette feuille de route, il y avait aussi besoin d'un renforcement RH. Notamment, chaque réseau local doit disposer d'un agent qui soit en charge de l'animation et de la coordination du réseau. Alors, ça voulait à la fois dire des mobilisations d'agents qui étaient déjà en poste et que l'on faisait évoluer sur des missions de coordination de réseau, et puis le recrutement de nouveaux coordinateurs, et puis le recrutement d'une personne en charge des actions culturelles et de la médiation numérique sur l'ensemble du réseau, puisque là, on arrivait à une nouvelle dimension et ce n'était pas possible de tenir avec l'équipe en place. Et puis, comme je le disais, des conventions de partenariat, une qui nous lie aussi au Conseil départemental des Vosges pour la complémentarité avec la médiathèque, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis donc des conventions de coopération numérique pour la mise en réseau logiciel, donc un document qui nous permet de revoir avec les communes comment travailler ensemble. À gros traits, c'est le partage du logiciel. La communauté d'agglomération prend en charge la mise à disposition du logiciel. La seule chose qui est demandée aux communes, c'est qu'elles mettent à disposition le matériel, la connexion Internet. Donc, concrètement pour les usagers, cette mise en réseau, ça a permis quoi ? Ça permet qu'avec un seul abonnement unique, les usagers peuvent accéder à leur compte lecteur, ce qui est classique, mais surtout réserver des documents et choisir leur lieu de mise à disposition, emprunter et rendre dans n'importe quelle bibliothèque ou boîte de retour lorsqu'elles existent sur les médiathèques, et de bénéficier de l'offre L'Immédiat Mosaïque, qui est un programme au cœur de la bibliothèque numérique de référence du Sillon Lorrain, donc une offre de vers des ressources numériques sous droit.
Donc là aussi, c'était important de pouvoir être à la fois sur une offre physique, dans les lieux, les documents, mais aussi numériques. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on en est à 8 médiathèques communautaires et 7 médiathèques municipales. Et en perspective, la création d'une identité graphique, la mise en réseau de 6 médiathèques supplémentaires en 2022, une extension qui est toujours souhaitée en progression sur les années suivantes, un projet de construction d'une nouvelle médiathèque à Golbey, puisque l'équipement actuel est inadapté à la population, des réflexions sur une politique tarifaire harmonisée, des réflexions sur l'externalisation de la navette de circulation des documents qui prend beaucoup d'ampleur puisque l'année dernière, c'était par exemple plus de 49 000 documents qui étaient en transit sur le réseau, à raison de 3 navettes par semaine. Merci beaucoup à toutes les deux. Je pense que vous avez largement démontré à quel point la mise en réseau a amélioré les services rendus par les bibliothèques aux habitants. Mais on a bien compris également que vos réseaux sont complexes, qu'ils sont mixtes, c'est-à-dire qu'il y a des collectivités différentes, des structures différentes, des statuts différents et des partenariats pour permettre justement d'améliorer ces services. Donc si vous en êtes d'accord, on va peut-être je vais vous demander de nous expliquer comment vous arrivez à articuler les partenariats avec tous ces différents partenaires pour que ce soit transparent pour le lecteur et que ça fonctionne au niveau des agents. Donc il y a les bibliothèques départementales, comment on fait ? Il y a les partenaires culturels. Alors c'est tellement compliqué que justement j'ai fait un petit graphique. On m'a dit, mais on n'y comprend rien au graphique. En fait, c'est volontaire. C'est pour qu'on voit un peu l'écosystème de notre territoire Cœur d'Essonne, avec effectivement un réseau où Cœur d'Essonne gère en direct ses 14 médiathèques communautaires, accompagne ses 8 médiathèques municipales et a 3 points lecture. Mais en parallèle, on a la médiathèque départementale à côté, avec laquelle on n'a pas encore de convention de partenariat, mais on vient d'échanger là-dessus avec la médiathèque départementale en disant « bon, je pense que là, il va falloir qu'on fasse une convention partenariale entre nous et vous et qu'on clarifie bien le rôle de chacun », puisqu'effectivement, la médiathèque départementale accompagne les 3 points lecture municipaux également et nos médiathèques municipales. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nos bibliothécaires municipaux, ils deviennent un peu schizophrènes, ils ne savent plus vers qui en référer. En parallèle, on a aussi un petit réseau satellite, entre guillemets, c'est-à-dire que notre agglomération subventionne Lire, c'est vivre, le département subventionne Lire, c'est vivre. Lire, c'est vivre, c'est un réseau de 10 bibliothèques au sein de la prison de Fleury-Mérogis. Mais en parallèle, donc, il y a cette subvention, et puis nous, on vient de contractualiser pour 2020-2024 un contrat territoire lecture avec la DRAC, pour justement déployer nos actions sur... De quoi ? Si, il y a la petite flèche, la contrat territoire lecture. Donc ce qui nous permet d'également accompagner aussi en fonctionnement Lire, c'est vivre, puisque un de nos enjeux sur ce contrat territoire lecture, c'est de développer les publics. Public empêché, public éloigné, donc assez logiquement, développer notre partenariat avec la prison de Fleury-Mérogis. En parallèle, pareil, le salon du livre de Saint-Germain-les-Arpajon, on les subventionne, le département les subventionne. Donc encore une fois, l'articulation entre les deux, il y a une habitude en plus pour les médiathèques du sud du territoire, puisque ce salon se tient sur Saint-Germain-les-Arpajon, donc l'ancienne agglomération. Nos bibliothécaires ont pris l'habitude aussi d'animer des espaces auteurs sur des univers auteurs, sur ce salon. Donc on a une présence assez importante et le salon du livre jeunesse est rentré en fait finalement dans notre programmation culturelle récurrente. Tous les ans, on a des actions aussi hors les murs, c'est-à-dire hors les murs du salon, qui se passent dans nos bibliothèques en lien avec le salon. Par contre, nous, j'avais mis, c'est vrai, ce petit visuel, on a réussi à avoir une identité graphique commune donc dès 2017, quand on a fait cette mise en réseau des médiathèques. Donc, il y a vraiment cette identification, je pense, du public aussi, de comprendre, parce que c'est vrai que forcément, pour le public, comprendre que c'est un réseau unique, déjà, globalement, les habitants, ils ne se posent pas cette question, la bibliothèque, elle est
sur leur ville, qu'elle soit communautaire ou municipale. En général, pour eux, elle est municipale. Ils n'ont pas encore bien suivi qu'elle ait pu être communautaire. Et nous, c'était quand même important qu'on se dise c'est un service unique. Quel que soit où on habite sur le territoire de Cœur d'Essonne, on a les mêmes services. Et donc, cette identité-là, elle était aussi réalisée dans ce but. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est complexe et qu'on n'est pas encore, on a encore du mal à articuler le tout. Oui, c'est vrai que c'est très compliqué. Et c'est vrai que moi, je travaille en bibliothèque départementale. Et donc, sur ce point-là, vous avez opté pour la substitution, en fait. C'est-à-dire que vous faites la bibliothèque départementale. Les missions traditionnelles de desserte de la bibliothèque départementale ont été reprises par la communauté d'agglomération. Exactement. Est-ce que c'est la même solution qui a été prise dans la communauté d'agglomération d'Épinal ? Non. Non, il y a encore une véritable coopération avec la médiathèque départementale. Mais on a quand même un réseau dans le réseau. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc on a différents types de coopérations qui sont finalement mises en place en interne, puisque nous avons 6 équipements qui sont communautaires. Nous avons 5 médiathèques municipales qui sont celles du Val-de-Vosges, qui sont liées à une médiathèque communautaire, celle de Bains-les-Bains, qui elle est tête de réseau sur ce territoire-là, autour d'une compétence particulière, informatisation, mise en réseau, et actions culturelles. Et puis à côté de ça, on a les partenariats avec les autres médiathèques municipales du territoire, donc 7 à ce jour et puis 6 supplémentaires à venir d'ici la fin de l'année, à travers la convention de coopération numérique pour le partage d'un SIGB commun et puis l'accès aux ressources numériques qui sont proposées à travers le programme de BNR, Bibliothèque numérique de référence, à l'échelle du Sillon Lorrain. Alors, sur la BNR, je ne rentrerai pas dans les détails puisque je ne veux pas casser le travail de mes collègues qui interviennent demain pour présenter plus en détail les champs d'action de la BNR. En tous les cas, donc, parmi ces coopérations, il y a bien la participation à la BNR du Sillon Lorrain et puis un partenariat avec la médiathèque départementale des Vosges. Donc là aussi, très rapidement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le territoire de la Com d'Aglo d'Épinal, c'est un tiers du département. Donc il faut s'entendre sur qui fait quoi, comment on avance ensemble pour desservir ce territoire. Et ce qui a été décidé, c'est qu'on ait un partage sur nos interventions. La médiathèque départementale reste dans son champ d'action en matière de fourniture de documents, puisque nous n'avons pas les moyens de desservir l'ensemble des bibliothèques qui nous rejoignent. Donc il y a toujours des fonds de base proposés par la médiathèque départementale et puis un acheminement des réservations. Et puis sur le volet formation des bénévoles, là c'est un volet dont on ne s'approprie pas du tout le sujet. Et sur l'action culturelle, c'est un peu du cas par cas, suivant les programmes qui sont lancés et leur équilibre à l'échelle du département. Et puis, à côté de ça, on a aussi un partenariat avec les bibliothèques universitaires de l'Université de Lorraine. Notamment, il y en a 3 sur le secteur d'Épinal. Et donc, il y a un peu plus de 800 étudiants sur Épinal. Et on en avait dans nos inscrits, forcément. Et il n'y avait pas du tout d'échange entre nos structures. Et à un moment, il y a eu l'envie de travailler ensemble en partageant les complémentarités qu'on pouvait avoir. Donc, il y a une convention qui a été formalisée et qui prévoit l'échange réciproque de services. C'est-à-dire que les étudiants de l'Université de Lorraine, sur présentation de leur carte d'étudiant, ont la gratuité d'accès dans l'ensemble des bibliothèques du territoire. Et à contrario, quelqu'un qui est inscrit dans le réseau de lecture publique de la communauté d'agglomération d'Épinal a accès aux bibliothèques universitaires sur présentation de son abonnement. Tu ne nous avais pas parlé de la tarification, là. Ouais. Ah, vaste sujet. C'est un sujet qui est en réflexion, puisque sur l'ensemble de ce réseau, il n'y a pas de tarification harmonisée. Chaque médiathèque municipale garde la position qui est la sienne sur l'offre de lecture publique. La gratuité est notamment quasi partout. Du côté intercommunal, il y a une tarification avec des tarifs préférentiels pour les étudiants, pour les minima sociaux, et puis une volonté forte de l'agglomération d'avoir un tarif modeste, on va dire, pour les habitants du territoire, et en revanche un tarif plus élevé pour les gens qui résideraient à l'extérieur de ce territoire. Donc là, c'est un vaste chantier qui mériterait une étude ou qu'on avance pour clarifier un petit peu tout ça, voir comment on avance et que ce soit le plus simple pour les gens. Bon, c'est intéressant de savoir. Il y a des réseaux où ce sont les bibliothèques municipales qui sont gratuites et les intercommunales qui sont payantes. Comme quoi, tout existe. Voilà.
avec finalement les mêmes services derrière pour l'instant. Et en matière d'hybridation, on a aussi différents contrats et projets. Un contrat territoire lecture 2019-2022, programmation BNR depuis... Je vais pas m'avancer sur là. Je laisserai mes collègues présenter. Le Pass Culture qui arrivera à compter de septembre 2022, un contrat territorial d'éducation artistique et culturelle qui est en préfiguration, un projet de microfolie itinérante pour la suite également, projet de développement culturel du territoire pour la CAE, partenariat avec la Maison d'Arrêt d'Épinal également, et puis de manière générale et sans surprise, une participation aux événements culturels en lien avec les programmes du territoire et en écho à des actions nationales ou au-delà, les festivals du territoire et puis les programmations ou festivités plus locales. Et puis les partenariats, comme on le développe partout, avec les acteurs locaux, éducatifs, culturels, sociaux. Vaste programme. Bon, on voit bien, en tout cas, comment cette hybridation et ces nombreux partenariats ont pour objectif premier de rendre accessible au plus grand nombre d'habitants de l'ensemble du réseau tout ce qui se passe sur l'ensemble du territoire. Alors, c'est vrai que depuis les lois successives qui ont aggloméré des territoires les uns aux autres pour en arriver parfois à des périmètres assez disproportionnés, comment on fait pour piloter des réseaux aussi étendus, aussi complexes que ce que vous venez de nous expliquer, avec des collectivités différentes, des personnels, des équipes hétérogènes, des structures de toute taille, des communes de toute taille, j'imagine des identités aussi locales qui peuvent varier, des partenaires, des dessertes à coordonner. Comment on fait pour piloter des structures qui sont quand même assez énormes, qui sont devenues énormes, tout en restant efficaces et en préservant de la proximité? Alors déjà, d'une, à la différence du réseau d'Épinal, nous, au niveau des médiathèques de Cœur d'Essonne, dès le début, je ne le présente pas tout de suite volontairement, dès le début, il était hors de question qu'il y ait une tête de réseau. Il y avait ce côté, on est toutes médiathèques municipales, on est transférées, chacune a son identité propre, on garde notre identité, c'est pas parce qu'il y a une grande ville là qui va devenir tête de réseau. Bon. Donc au final, on s'est retrouvés avec un collectif de direction en silo, et au début ça allait, on était 11 bibliothèques. Arrivé à 25 bibliothèques, le collectif de direction en silo où chacun est dans son coin, ça devient compliqué. Donc effectivement, moi je suis revenue sur ce réseau-là au 1er juillet, j'avais un petit peu cette expérience du réseau en me disant non mais c'est plus possible, on ne peut plus fonctionner comme ça en fait, arriver à cette strate, c'est plus possible. Et on a engagé un travail avec l'ensemble du collectif de direction pour pouvoir repenser un petit peu cette restructuration. C'est pour ça que voilà. Donc on en arrive là maintenant. L'idée c'était justement de pouvoir organiser notre territoire en, je vais vous montrer plutôt tout de suite la carte, c'est plus simple, en trois bassins de lecture publique, avec un territoire au nord où on a à peu près 82 000 habitants et 7 bibliothèques et une quarantaine d'agents, un bassin centre avec 4 bibliothèques, donc tout ça c'est reste communautaire pour le moment, 35 000 habitants et 21 agents. Et un bassin sud un peu atypique, que gère Aénor ici présent, qui est, pareil, 84 000 habitants. On a 3 bibliothèques communautaires, 11 bibliothèques municipales, et donc je dis les 11 bibliothèques municipales, donc c'est-à-dire les 8 médiathèques municipales, les 3 points lecture. Donc en fait, une direction qui est un petit peu entre médiathèque départementale et réseau communautaire. Et on a 22 agents communautaires, 13 agents municipaux. Donc je reviens sur ma petite slide. Et tous les bénévoles sont dans ce bassin-là. Ah non, donc. C'est pas possible, c'est pas comme ça. Hop, voilà, c'est comme ça. Donc du coup, effectivement, d'abord, on a fait voter en CT de septembre une coordination de bassins, donc ces trois bassins. Là, on est en train de faire passer au CT de juin la transformation de ces coordinations en direction. Tout simplement parce que c'est plus simple, en fait, c'est-à-dire qu'on a mis en place des bilatérales où toutes les semaines, les coordinateurs de bassin ont des rendez-vous d'une demi-heure avec chaque responsable d'équipement pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le territoire.
Et comme ça, moi, j'ai un rendez-vous toutes les semaines aussi avec eux, pareil, une demi-heure, où ils me font remonter les problématiques du terrain. Ce qui m'évite d'avoir les 20 en direct qui m'appellent tous les jours pour me dire leurs problématiques. Donc c'était vraiment ça l'enjeu, c'était de pouvoir un petit peu... avoir un relais d'informations et ne pas avoir tout en direct. En parallèle, on avait déjà une coordination sur tout ce qui est action culturelle et communication, donc ça on l'a pérennisé, et on a travaillé aussi cet automne et ce printemps à identifier 3 autres coordinations transversales. Parce qu'effectivement, si on veut mettre en place des services communs à nos habitants, encore faut-il être d'accord sur la politique en matière de politique documentaire, d'où le fait qu'on a mis en place une coordination des collections pour lequel on est en train de recruter un cadre en ce moment, enfin on finalise le recrutement. On a mis en place aussi une coordination développement des services et des publics pour réfléchir justement à la question de l'accueil à l'échelle de notre réseau, mais aussi tout ce qui est justement le développement des publics. Donc ça, on a aussi profité de la mise en place du contrat territoire lecture justement sur ce développement des publics pour pérenniser un petit peu ces groupes de travail. Et enfin, une coordination numérique et informatique, puisque comme je le disais précédemment, on est très engagé sur la question du numérique, en tout cas sur notre réseau, et donc il y avait vraiment cette nécessité de harmoniser aussi un petit peu nos pratiques. Si bien que, en fait, l'enjeu, c'est qu'à terme, on se retrouve avec tout agent qui appartienne à la fois à une équipe bassin de lecture, à un équipement dans ce bassin de lecture, mais aussi à une équipe thématique transversale. Alors, il n'est peut-être pas très lisible cet organigramme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à droite, vous avez les bassins de lecture, les 3 bassins de lecture. Et en fait, au centre, vous avez ces 4 coordinations transversales. Et donc, à terme, toute agence retrouvera dans une de ces équipes-là. Ce qui permet plus facilement aussi de travailler en commun ces questions. En parallèle, et je le disais tout à l'heure, la construction d'équipements nous a permis de repenser les organigrammes en interne. On a, enfin, sur les 4 gros équipements, on va dire, de notre réseau, la section adulte, la section jeunesse, ça n'existe plus. On est vraiment déjà sur des organigrammes transversaux avec une collection, enfin avec des pôles collection, des pôles développement des publics, des pôles accueil numérique, ce qui nous permet d'avoir du coup tout de suite des référents. On les connaît dans chaque équipement et on peut créer après ces équipes un petit peu transversales. Et donc ces équipes, comme on le voit sur l'organigramme. Puisqu'effectivement, à moyens contraints, puisque je pense que vous êtes tous un peu comme ça, mais la plupart des réseaux, on a des moyens contraints, impossible de créer des postes pour accompagner cette mise en réseau. Donc les référents, il faut les trouver au sein des équipes actuelles. Et l'autre levier, donc les leviers qu'on a, comme je disais, donc là je l'ai dit, il y avait le contrat territoire lecture, mais en parallèle, on est sur une agglomération où on n'était pas en conformité avec les 1607 heures. Nous, depuis le 1er janvier, tous nos agents doivent faire 3 heures de travail supplémentaire. Travailler plus pour gagner pareil. Bon. Et l'idée, c'était de se dire, ces 3 heures supplémentaires, il faut que ce soit du temps de travail réseau. Et ça passe beaucoup mieux comme ça. L'idée, c'est pas d'ouvrir plus, en tout cas, on n'en est pas là pour le moment. Si on ouvre, si on pense nos horaires d'ouverture, ce sera plutôt d'ouvrir mieux, mais ce sera pas d'ouvrir plus. Et vraiment de consacrer ce temps de travail supplémentaire à ce travail réseau. Et donc l'idée à terme, et je terminerai là-dessus, c'est de se dire qu'on va conserver notre collectif de direction élargie, où on a une 20aine de personnes, mais on va réduire la fréquence, puisqu'actuellement on se réunissait tous les mois. Là, on va plutôt passer à tous les 2 mois et travailler plutôt sur du projet, enfin ne pas non plus être dans l'information descendante, mais vraiment être dans des ateliers participatifs. Et avoir ce collectif de direction un peu resserré, comme on l'a vu sur l'organigramme précédent, en fait, avec finalement, hop, on a moi en direction, et puis au final, on n'est plus qu'un collectif de direction resserré à 8, ce qui est plus simple, on va dire, en termes de gestion. Et puis, en parallèle, enfin, je terminerai là-dessus, ces collectifs de bassin. Et alors là, c'est très intéressant parce que, notamment sur notre bassin centre, on va avoir un projet de construction sur Longpont-sur-Orge. On est une petite équipe, là on a 22 agents, et en fait tous les agents, même des médiathèques à côté, ont dit ah non mais nous on veut tous partager, on veut tous participer à ce projet culturel de nouvel équipement sur Longpont. Et c'est bien parce que ça décloisonne les bibliothèques. En fait, ça, ils commencent progressivement à se dire non, j'appartiens pas uniquement à la bibliothèque, j'appartiens à un bassin de lecture, et en fait je peux participer au projet de l'équipement juste à côté. Et ça, je trouve ça très très positif. Je terminerai sur ce point.
Alors, est-ce que chez vous, à quoi ça ressemble ce pilotage complexe ? Chez vous aussi, c'est très compliqué comme montage. Hein. C'est quand même plus petite échelle, moins complexe quand même. Du côté des élus, on retrouve bien sûr le président, le vice-président à la culture et la conseillère déléguée de lecture publique, avec une commission culture aussi qui réunit 45 élus du territoire. Du côté administratif, il y a donc une direction culture et animation du territoire avec un comité de direction qui réunit les directeurs des équipements communautaires. Et puis, en ce qui concerne plus précisément le réseau de lecture publique, il est coordonné par une directrice qui est donc directrice de l'ensemble du réseau et également responsable de la BMI d'Épinal. Et puis donc moi-même à ses côtés pour coordonner la mise en réseau des médiathèques et le développement des publics. Chaque médiathèque communautaire compte des équipes salariées. Et puis, chaque médiathèque de proximité a un responsable de site et au sein de l'équipe, soit sur le poste de responsable de site, soit sur une autre personne de la médiathèque, il y a des missions de coordination de réseau qui sont données. Et qui sont données suivant l'existence du territoire, les partenariats à mettre en œuvre et le développement qui en est attendu. Donc pas une fiche de poste commune à chaque responsable de site, mais là aussi plutôt composée suivant ce qu'on attend de ces agents-là. En totalité, ce sont 50 agents, hors personnel d'entretien, vacataires et saisonniers dans les équipements communautaires et 16 bénévoles qui accompagnent deux petites médiathèques communautaires. Et à côté de ça, donc sur les autres médiathèques qui sont en partenariat avec nous, on compte un seul agent salarié dans une médiathèque particulière et sinon plus de 30 bénévoles dans les 7 médiathèques municipales. Donc là, on est vraiment sur un réseau mixte où on coordonne à la fois des équipes salariées mais aussi des bénévoles qui soit sont seuls pour animer et gérer les médiathèques, soit qui arrivent en appui sur certaines tâches ou actions développées dans les médiathèques. En matière de réunions, on a des réunions de direction réseau tous les 15 jours, des réunions réseau au minimum une fois par trimestre. Et puis, et c'est là où on va retrouver l'idée de transversalité sur le réseau, des groupes de travail transverses avec des personnes qui viennent de toutes les bibliothèques, notamment sur les questions liées au public, à la médiation numérique, à l'organisation d'animation ou de projets particuliers, entre autres choses. Donc quelque chose de plus simple, mais on est à plus petite échelle aussi pour l'instant. Mais votre réseau est en extension, en évolution, en construction, donc vous pouvez aussi anticiper éventuellement une modification de ce fonctionnement, parce que c'est ce qui s'est passé chez vous en fait. Tout à fait. Là, pour l'instant, c'est une organisation qui nous satisfait et on a encore du travail à faire, notamment sur le nord du département, qui est plutôt une zone blanche, donc à voir comment l'articulation se fera. Merci à toutes les deux. Ça fait beaucoup d'informations. Vous devez avoir la tête super pleine. Et je suis pas sûre que, enfin, je suis même très sûre que vous avez besoin de détails. Donc, on est arrivé au moment des questions. Est-ce qu'il y en a déjà ? Est-ce qu'il y a des points particuliers que vous souhaitez voir développer un peu plus ? Moi, j'ai envie de vous demander, en attendant que quelqu'un se décide, si vous pensez que... Parce que vous êtes dans des démarches là, qui sont en pleine évolution. En pleine extension. Si jusqu'à présent, vous avez... Enfin, c'est quand même des succès. Est-ce que vous avez l'impression que le portage politique a été un facteur... important, voire incontournable, voire un facteur de réussite sans lequel les choses n'auraient pas pu arriver. Alors oui, absolument. Il y avait des équipements qui existaient, il y avait cette volonté forte de l'agglomération de revoir le réseau et de l'étendre. Et c'est un projet qui a été vraiment porté à bout de bras par le président de l'agglomération. Et le fait d'être dans une démarche de constitution d'un schéma directeur qui a été présenté en commission culture, puis en conseil communautaire, ça a été l'élément déclencheur d'une vraie prise de conscience sur ce qu'est une bibliothèque aujourd'hui, ce qui existe sur le territoire, et même des réflexions d'élus de dire « mais moi aussi j'ai quelque chose, mais c'est pas comme ça, et il faut qu'on se rencontre ». Donc ça a été vraiment le portage et le fait d'être présenté en grande assemblée qui a été un des éléments déclencheurs de toute cette concertation.
Alors nous, c'est vrai que c'est pareil, c'est assez similaire. On le voit dans l'investissement qui a été mis en œuvre pour la construction de nouvel équipement. Donc le portage politique a été vraiment important. Dès la création, enfin en 2011, on a eu un élu culture qui était très engagé et qui du coup a porté vraiment ce projet d'investissement sur le territoire. On a un président, c'est très appréciable, qui dès qu'il peut, quand il y a un discours, met en valeur les bibliothèques, le réseau, en disant c'est une force sur leur agglomération. Et en plus, récemment aussi, on a améliorer notre politique d'évaluation. On a mis en place un rapport d'activité 2017-2020 pour justement valoriser ce que la mise en réseau des bibliothèques avait apporté. On devrait pouvoir le présenter bientôt en bureau communautaire à l'ensemble des élus. Ce qui est plutôt positif, parce que vraiment, on a cet engagement fort de notre président à ce qu'on communique mieux sur la plus-value que ça a apporté, cette mise en réseau des bibliothèques. Je crois que Lauriane voulait compléter sa réponse. Oui, un élément important aussi, c'est ce territoire, il a grandi très très vite en peu de temps. Et dans la tête des élus, il y a souvent le paradigme de dire il n'y en a que pour Épinal, c'est la ville-centre, il y a beaucoup de choses à Épinal et pas ailleurs. Et le réseau de lecture publique est souvent l'argument aussi apporté par le président pour dire on peut faire des choses qui rayonnent ailleurs en termes de maillage. Et c'est vraiment un sujet qui est aussi l'apporteur pour même d'autres coopérations dans d'autres domaines. Oui, ma question était justement sur le volet politique. Au début de la présentation du réseau d'Épinal a été évoquée la volonté de la maire de Desvilliers, je n'ai pas bien retenu, de passer intercommunal. Quels étaient ses arguments? Pourquoi cette raison, justement? Qu'est-ce qui fait poids pour elle? Alors, pour remettre dans le contexte, Desvilliers, c'est vraiment une commune limitrophe d'Épinal. Et la bibliothèque de Desvilliers est à 5 minutes en voiture de la BMI d'Épinal. Et là, il y avait une volonté forte de Madame le maire de dire si un service phare à Épinal, on veut garder un service, si on ne travaille pas ensemble, c'est couper des ponts qui seraient vraiment utiles. Donc, il y avait vraiment cette volonté forte d'entrer dans le réseau. Avec en tête forcément en premier le service au public, les collections, avec la possibilité d'emprunter, rendre, les navettes de circulation documentaire aussi. Donc garder un service de proximité en mutualisant les moyens, en capitalisant sur la montée du réseau. Comme quoi, les élus, parfois, on n'a pas besoin de les convaincre. Ils voient les avantages du réseau tout seuls. Oui, bonjour, Laurence Brice-Malin, la responsable de l'habit de Dunkerque. J'ai deux questions. Une première, j'aurais voulu avoir un retour sur le partenariat avec la BU et l'intérêt en fait que vous y avez trouvé et que les usagers y ont trouvé à ce partenariat. Alors, côté visibilité, c'était une manière de montrer aux habitants du territoire que les bibliothèques universitaires étaient ouvertes. Et il y en a une en particulier qui est celle de l'ENSTIB, l'École nationale supérieure et technique de l'industrie et du bois, qui a des collections très particulières sur la menuiserie, sur le bois, sur des sujets qu'on a un peu moins de manière pointue, en tous les cas, dans le réseau de lecture publique. Donc là, c'était leur offrir une visibilité en passant par notre public. Et puis, pour les étudiants, c'était en fait avant tout aussi tarifaire pour pouvoir leur permettre d'accéder à nos équipements. Quand on dresse le bilan qui est réalisé, finalement, on est plus gagnant que les bibliothèques universitaires, puisque c'est 13... je sais plus... Il y a 13 personnes qui sont inscrites dans le réseau de lecture publique qui fréquentent de manière régulière les bibliothèques universitaires d'Épinal. Et à contrario, c'est 600 étudiants qui utilisent les services du réseau de lecture publique. Après, il y a aussi en termes d'ouverture, où finalement les bibliothèques universitaires sont ouvertes du lundi au vendredi jusqu'à 18h, alors qu'au niveau du réseau, la BMI d'Épinal est notamment ouverte tous les dimanches de septembre à juin, l'après-midi, et le temps de midi. Donc il y a aussi des raisons qui font qu'on a de la place pour accueillir les étudiants, on a les services et on les a aussi. Du coup, vous avez une carte commune, comment ça fonctionne, non? Parce que, en fait, nous recevons 80%
des visiteurs, on va dire, de la Bib ont entre 13 et 25 ans, donc majoritairement des étudiants. Mais en fait, on n'a pas du tout de partenariat avec la BU, on est vraiment distants, mais ça nous permet quand même de toucher tous ces lycéens et ces étudiants. Et du coup, je ne vois pas trop l'intérêt d'un partenariat, puisqu'on les a déjà, nous. En revanche, moi, je voyais plus pour le public lambda, qui n'ose pas aller en BU, ne serait-ce qu'en simple visite libre. Du coup, comment faites-vous pour promouvoir ça? Quel est l'outil pour promouvoir ça? Alors, on a construit un petit marque-page que l'on distribue volontiers aux personnes, d'avoir un support physique. On communique aussi sur cette existence. Oui, nous, on a une tarification, mais... Vous, les étudiants, c'est gratuit, l'inscription à Dunkerque. Tout est gratuit pour tout le monde. C'est ça, donc, les étudiants, ça ne leur pose pas de problème de venir s'inscrire en BU. Mais là, c'est payant. Donc, une fois qu'ils sont inscrits à la BU, ils peuvent aller, sans payer, bénéficier de la bibliothèque publique. C'est ça l'avantage. La première partie de la question, c'était sur une carte commune. Non, on n'a pas de carte commune, puisqu'on a deux services, deux catalogues qui ne peuvent absolument pas fusionner, puisqu'eux sont intégrés au sein d'un catalogue partagé à l'échelle de l'Université de Lorraine. Donc non, simplement, ils viennent et on leur délivre une carte réseau de notre réseau à nous. D'accord, merci. Deuxième question pour vous deux. La bibliothèque de Dunkerque, enfin le réseau des bibliothèques de Dunkerque, est un petit réseau dans un autre réseau, celui de la communauté urbaine de Dunkerque. Et nous avons décidé l'année dernière d'écrire un projet de service commun, c'est-à-dire un PCSES, projet culturel, scientifique, éducatif et social. Voilà, aller trouver le bon sens de l'acronyme. Donc c'est pas une mince affaire. Là on a fait une note d'orientation au président pour lui demander l'autorisation d'écrire, puisqu'il n'y a pas du tout de transfert de compétences. Les bibliothèques ne sont pas communautaires en matière de compétences, mais sont municipales. On partage juste le SIGB, la navette et les ressources numériques. Est-ce que vous avez ce projet d'écriture de PCSES commun, ou l'avez-vous déjà sur votre réseau? Alors nous, on ne l'a pas encore. Par contre... Ouais. En fait, disons qu'on n'en a pas encore un pour Cœur d'Essonne. Par contre, on avait eu un travail qui avait été réalisé par une stagiaire Inette qui est présente ici, qui est Violaine Bard, pour lequel on s'est vraiment appuyé sur ce diagnostic territorial. Et en fait, il y a eu des groupes de travail, ça a commencé à travailler, puis en fait, c'est resté en suspens, il y a eu le Covid, tout ça, enfin voilà, bref. Et donc là, l'idée, c'est justement de s'appuyer sur ce contrat territoire lecture, pour justement mettre en place un schéma directeur de lecture publique, puisqu'on préfère, on va dire, sur cette seuil de territoire, plutôt parler de schéma directeur de lecture publique. Nous, on va y travailler à partir de cet automne, toujours avec notre collectif de direction. On attend cet automne aussi parce qu'en parallèle, on a la médiathèque départementale de l'Essonne qui est en train de travailler avec nous aussi son plan départemental de lecture publique 2023-2027. Donc nous, on souhaiterait que notre schéma directeur soit aussi 2023-2027. Et en parallèle, enfin, tout simplement... on sait déjà sur enfin, les bases qui vont nous servir à rédiger ce schéma directeur. On a la chance que nos élus, fin 2019, aient voté un projet de territoire Horizon 2030. Donc forcément, on va répondre aux objectifs de ce projet de territoire. Nos élus vont réaliser bientôt un grand séminaire culture où ils vont enfin écrire une politique culturelle sur cette nouvelle agglomération, puisque là, on a toujours une politique culturelle qui date de l'agglomération précédente. Et enfin, on va s'appuyer sur notre contrat territoire lecture 2020-2024, puisque c'est les grands objectifs qu'on s'est fixés vont se retrouver forcément sur ce schéma directeur de lecture publique.
Du côté d'Épinal, c'est aussi le schéma directeur de la lecture publique qui nous sert de feuille de route. Et comme la collectivité est par ailleurs dans l'écriture d'un projet de développement culturel au sein d'un projet de développement du territoire, on reverra l'articulation de nos projets par la suite dans une nouvelle formalisation. Le schéma directeur reste vraiment notre feuille de route. Et puis on avait jusqu'à présent aussi un contrat territoire lecture, mais on est en fin de course puisqu'on en a largement bénéficié. C'est comme vous parlez d'un réseau municipal, effectivement, ce n'est pas exactement la même échelle que les réseaux qui ont été décrits. Oui, bonsoir. Je crois que je vais passer pour une psychopathe des moyens RH. Je suis désolée. Mais parce que ça me tient à cœur, je travaille sur un territoire où il y a énormément de bénévoles. Et pourtant, la mise en réseau paraît absolument essentielle pour la survie de l'espèce bibliothèque. Donc, je voulais savoir quand vous avez commencé à piloter la réorganisation, justement, avec cette mise en réseau, vous avez des bénévoles dans vos structures. Et est-ce que vous avez envisagé le risque, en proposant ce nouvel organigramme et dans lequel vous avez inclus ces bénévoles, le risque qu'un jour, vous n'ayez plus de bénévoles, par exemple, pour faire fonctionner les points lecture, etc. Est-ce que, du coup, s'il n'y a plus de bénévoles, il y a quand même un point du réseau qui va être fermé, si j'ai tout compris? Oui. Oui, voilà. Donc, est-ce que en présentant ce genre d'organisation, et moi, je me félicite d'avoir des bénévoles, bien sûr, est-ce que vous avez quand même envisagé un moment où il y aurait éventuellement plus de bénévoles, ce qui est le cas, par exemple, chez moi? Alors, il y a eu énormément de concertations avec les bénévoles pour leur présenter vers quelle démarche on se tenait. On se tournait pour accroître le réseau. C'est sûr que le renouvellement du bénévolat, c'est une vraie question. On le voit bien, on a la chance d'avoir des bénévoles fidèles, mais ce sont aussi des bénévoles qui vieillissent et qu'il n'y a pas forcément de relève de prise. Donc là, c'est sûr que c'est une vraie question. Pour l'instant, on n'a pas de réponse d'affirmer. On a bien ça en tête. En tous les cas, tout le travail de mise en réseau, on n'a perdu aucun bénévole. Vraiment, ils ont tous été associés, on les a accompagnés au mieux. Ça n'a pas été facile, hein, il faut le dire. Changer de logiciel, changer d'habitude de réseau, ce n'est pas simple. Ça a complètement bouleversé leurs habitudes de travail. Ce qui nous a un peu sauvés aussi dans cette démarche, c'est encore une fois le fait de dire qu'ils sont bénévoles dans des structures municipales dont ils gardent la main. On n'intervient pas dans le fonctionnement, on n'intervient pas dans l'animation. On les accompagne, on peut les aider, mais on ne prend pas le pas sur la gestion qui est la leur. Et après, dans la construction de ce réseau, les coordinateurs de réseau les accompagnent aussi. Donc il y a un vrai lien qui est fait. Néanmoins, on n'aura pas les moyens RH de les remplacer sur des petits points et ce n'est pas la volonté qui est la nôtre. Mais la question du renouvellement du bénévolat est une vraie question. Merci beaucoup. Oui, je complète aussi parce qu'effectivement, sur notre réseau, on a une cinquantaine de bénévoles sur la partie sud du territoire avec des médiathèques donc, pour lesquelles parfois il y a un agent et plus des bénévoles et d'autres qui fonctionnent qu'avec des bénévoles. On s'est posé cette question justement puisque à l'inverse d'Épinal, nous, on a eu quand même quelques bénévoles qui se sont arrêtés suite à la mise en réseau en disant c'est trop compliqué, nouveau logiciel, tous ces nouveaux procédures. Voilà. Donc, on s'est dit qu'il va nous falloir un référent pour le réseau sur la question du bénévolat. Déjà pour essayer d'harmoniser, d'avoir une charte commune sur le bénévolat. Et puis, en fait, on a un vrai problème de visibilité sur la fluctuation des bénévoles qui arrivent, qui partent et tout ça. Enfin, moi, j'ai pas actuellement de visibilité globale en tout cas. Et puis, même les services supports me disent, on en est où là sur cette médiathèque, sur les bénévoles? Je dis, alors faut que je revoie parce que voilà. Donc, clairement, nous, c'est vrai que c'est une problématique. Et on a évoqué le fait qu'un des responsables de médiathèque municipale puisse prendre cette responsabilité au niveau du réseau, devenir un peu référent sur la question de comment on accompagne les bénévoles, comment on va chercher justement des nouveaux bénévoles, puisque oui, c'est effectivement un risque sur au moins les trois points lecture qu'on a, nous, qui fonctionnent qu'avec des bénévoles. C'est un sujet thématique qu'on aimerait travailler avec la médiathèque départementale des Vosges. C'est dans nos idées pour la suite aussi de défricher un petit peu toutes les idées possibles et voir comment on peut faire. Je ne sais pas si le micro était parti. Sinon, je rebondis sur ce que dit ma collègue, mais plutôt pour le changement d'organigramme du côté des agents.
Comment ça a été vécu? Vous dites pour Cœur d'Essonne, il n'y a plus vraiment de section adulte-jeunesse. Moi, j'ai des collègues qui sont assez attachés à leur section. Et aussi à la spécificité de leur accueil avec les publics dans les différentes sections. Voilà, si vous avez un petit retour à me faire là-dessus, ça m'intéresse beaucoup. Alors, on est vraiment dans une démarche participative. C'est-à-dire que, en fait, ça s'est fait progressivement. On a eu une nouvelle médiathèque à Saint-Michel-sur-Orge en 2017, Brétigny-sur-Orge en 2018, la nouvelle médiathèque de Sainte-Geneviève-des-Bois en 2019. Donc, chacune de ces médiathèques a travaillé en groupe de travail, en atelier participatif avec l'équipe pour co-construire cet organigramme. Donc, déjà, le fait d'associer les équipes, ça passe mieux. Et puis, on est aussi dans la sensibilisation. On montre comment ça fonctionne dans d'autres équipements qui ont déjà mis en place ce type de fonctionnement-là. Et à partir du moment où déjà on a trois grosses médiathèques qui mettent en place cette organisation un petit peu transversale, et très vite, en fait, les autres médiathèques du réseau échangent, hein, et puis voient finalement l'opportunité, enfin l'intérêt de mettre en place cette organisation-là. Donc au fur et à mesure, ça devient un petit peu plus évident, et même sur les petits équipements, moi je sais que dès cet été, j'ai demandé justement, j'ai des équipements où il y a 3 ou 4 agents. Je leur ai dit, c'est simple en fait, sur les gros équipements, on commence à avoir un pôle collection, un pôle développement des publics. J'ai dit, dans ton équipe, je voudrais que tu m'identifies une personne qui soit référent collection. Et en fait, progressivement, ils sont déjà polyvalents sur ces petits équipements, donc pour eux c'était facile. Donc c'est vrai que vraiment, je le redis, mais nous, ça a vraiment été la chance d'avoir ces projets construction et de se dire, de toute façon, on fait table rase et on part sur un nouvel équipement, réorganisation des collections. Dans certaines, on a des médiathèques où on a fusionné les documentaires adultes et jeunesse. Donc de fait, on commence à se dire, mais ça n'a plus de sens en fait, section adulte et jeunesse, à partir du moment qu'on fusionne les documentaires. Donc ça vient progressivement. Ce n'est pas facile, je ne dis pas le contraire, mais en fait, moi, ce que je vois comme point positif, par exemple, la médiathèque de Brétigny, ça fait 4 ans qu'il fonctionne avec un organigramme de ce type-là. À l'époque, il y avait la section jeunesse, 4 agents qui faisaient des accueils de classe. Maintenant, il y a 8 agents dans la médiathèque qui font des accueils de classe. Au final, ça a été plutôt bénéfique, parce que du coup, finalement, tout le monde s'est rendu compte que on pouvait à la fois être sur les collections, à la fois être sur l'accueil de classe, être sur un public adulte, être sur un public jeunesse, sans être non plus couteau suisse et ultra polyvalent. Mais on l'a vraiment fait comme ça. Je pense que vraiment, c'est le faire le plus participatif possible. Et sur notre organigramme réseau, là aussi, cet organigramme que je vous ai présenté là tout à l'heure, on a fait une visio le 17 mai dernier, justement, présentation à tous les agents du réseau. Sondage où justement on a identifié ces nouveaux groupes de travail, ces missions de référent de référent thématique. Et là aussi, on leur donne la parole, on leur donne la possibilité finalement de s'impliquer au niveau du réseau sur la base du volontariat. La base du volontariat, elle aussi, elle est très importante. Et je pense qu'à partir du moment où quelques agents, d'un coup, se mobilisent et se disent « moi, je veux vraiment apporter ma pierre à l'édifice à cette construction du réseau », au fur et à mesure, ça fait effet boule de neige. Et en fait, les autres, ils veulent aussi contribuer. En tout cas, moi, je sens cette dynamique-là sur notre réseau et c'est plutôt positif. Et pardon, je rebondis. Du coup, à Brétigny-sur-Orge, je vous dis donc de 4 agents à 8 qui accueillent des classes. Comment les 4 nouveaux agents ont été accompagnés pour ça? Est-ce que... En fait, c'est simple, les accueils de classe se font en binôme dans un premier temps. Enfin, ça, c'est, je pense que vous le faites déjà quand vous avez des nouveaux agents qui arrivent sur vos équipements. Donc ça s'est fait un petit peu progressivement. Ça s'est fait aussi sur les spécificités des uns et des autres. C'est-à-dire que quelqu'un qui est discothécaire, par exemple, il commence par faire des accueils de classe spécifiquement sur la musique. Et puis le médiateur numérique, il va faire un accueil de classe plutôt sur les thématiques numériques. En fait, c'est aussi de voir comment on renouvelle un petit peu ces pratiques d'accueil et sur quelles thématiques et le contenu qu'on veut proposer. Et c'est un peu comme ça qu'on développe les différents types d'accueil, je pense. Et donc les gens qui n'aiment pas les enfants, ils ne sont pas obligés.
J'avais deux petites questions toutes simples. La première, vous avez parlé de politique documentaire en le laissant pour une en cours de construction et pour l'autre à chaque établissement. Est-ce que vous avez pensé à faire une charte documentaire qui soit effectivement un document sur l'ensemble du réseau, d'une part, et d'autre part, au niveau des navettes qui sont toujours très très lourds sur un réseau, quel qu'il soit, est-ce que vous avez commencé à penser aux fonds flottants? Et si effectivement vous n'y avez pas pensé, est-ce que quelqu'un dans la salle a commencé à faire des fonds flottants? Ça m'intéresse fortement. Merci pour le message. Alors sur les fonds flottants, Dunkerque fait flotter ses fonds, mais au niveau municipal, les réseaux municipaux. Bon, alors nous, effectivement, c'est notre gros point noir pour le moment sur le réseau, la politique documentaire qui a été longtemps laissée un peu à l'abandon. On avait eu des groupes de travail dès 2012, une réflexion, et puis c'était trop complexe, il y a eu 36 000 groupes de travail, voilà, ça s'est pas vraiment fait. Là, justement, je l'indiquais précédemment, on est en train de recruter une personne qui va être chargée de la politique documentaire sur l'ensemble du réseau. C'est des questions justement que j'ai soumises en entretien en disant « Que pensez-vous des fonds flottants ?» Parce qu'effectivement, je trouverais ça assez pertinent. Oui, je vais faire très vite pour répondre. Mais en tout cas, nous, on se pose cette question-là, effectivement, puisqu'on a, alors tout à l'heure, je n'ai pas évoqué le nombre, mais c'est assez conséquent. Donc nous, on a 550 000 documents sur notre réseau, dont 300 000 qui transitent chaque année. Donc clairement, c'est exponentiel et la charge pour nos chauffeurs, enfin voilà, faut pas sous-estimer l'aspect logistique et manutention. Et donc clairement, moi je pense que ce serait une opportunité de se dire à terme, mais à quel est l'intérêt que ce document il revienne dans sa médiathèque d'origine? Enfin, de toute façon, c'est un budget réseau, en tout cas sur nos médiathèques communautaires. Donc voilà. Donc moi, j'aimerais bien qu'on y réfléchisse en tout cas dans les mois qui viennent sur notre réseau. C'est vrai que la charte documentaire devient imposée par la loi. Du côté d'Épinal, non, on n'a pas de charte documentaire à l'échelle du nouveau réseau élargi. Pas encore, il n'est pas non plus encore question de fonds flottants. Mais oui, la nouvelle loi incitative nous invite aussi à peut-être se repositionner sur cette question et pourquoi pas formaliser les choses, en effet. Ce qui ne veut pas dire avoir une politique documentaire commune, juste écrire que chacun fait la sienne. Bon, il ne nous reste plus que 5 minutes. Est-ce qu'il y a une question vitale? Ah. Ce n'est pas une question vitale, mais c'est un peu pour répondre à monsieur par rapport aux fonds flottants. Alors nous, ce n'est pas mis en place, mais c'est en réflexion sur des fonds spécifiques, pas sur l'ensemble de nos collections. Donc je suis à la tête d'un réseau de 15 bibliothèques en zone rurale, des petites bibliothèques. Donc on est en train de construire une politique documentaire avec l'objectif de mettre en place un fonds flottant. Je viens d'accueillir une stagiaire Inette aussi sur la question, donc ça aide bien. Et l'idée, en fait, nous on part là-dessus parce que c'est un vecteur de modernité, on va dire, pour les petites bibliothèques qui nous ont rejoints, qui viennent de s'informatiser dans les larmes et la douleur, et du coup de leur amener un service en plus politiquement pour les lecteurs, vis-à-vis des lecteurs, vis-à-vis des élus et aussi vis-à-vis des bénévoles, c'est une carotte. Et donc on va essayer de mettre ça en place, notamment sur les DVD, puisque aujourd'hui sur mon réseau, il n'y a que 5 bibliothèques qui en ont, et l'idée c'est d'élargir. Ça me permet de rebondir aussi sur la question des bénévoles dont vous parliez. Donc mon réseau c'est quand même très 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 majoritairement des bénévoles, puisqu'il y en a 70 pour 10 agents. Et du coup, qu'est-ce qui a permis d'éviter une hémorragie lors de l'informatisation? Qu'est-ce qui a permis de renouveler le bénévolat? En fait, j'ai constaté, alors est-ce que j'étais dans une situation bénie ou je ne sais pas, mais l'interco a été motrice dans la motivation des bénévoles. Ceux qui étaient là sont restés et ça a fait venir du monde parce que ça y est, ça bouge. Ça fait 40 ans que c'est en déshérence et là, ça bouge. Et ça, c'est parce qu'on amène du service en plus, parce que j'ai mis en place une action culturelle coordonnée qui va leur proposer des projets, parce que y a ce fonds flottant qu'ils attendent, qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver un jour. De la même façon que l'interco, la prise de compétence intercommunale aussi, a suscité, un peu comme
à Essonne, dans l'Essonne, beaucoup de projets. Tout à coup, les maires se sont réveillés en disant « Waouh, on veut une super bibliothèque ». Et ça, forcément, ça motive aussi les bénévoles. Et puis, de l'encadrement de proximité pour eux, pour développer une relation de confiance avec la nouvelle tutelle et avec la nouvelle équipe. Donc, beaucoup de convivialité, beaucoup de proximité. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est le repas que la Comcom offre aux bénévoles tous les ans. Et mine de rien, bah, c'est quand même un budget de 2000 euros par an, hein, mais en fait, c'est essentiel dans la vie du réseau et dans l'esprit intercommunal que les bénévoles vont avoir. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais passer la parole à Marie-Hélène. Pour un dernier mot quand même sur Livre et Lecture en Bretagne, dont j'ai totalement saboté la présentation et j'en suis désolée. Je lui dirai rien, Claire. Je ne vais pas remplacer Florence, je regrette vraiment son absence. Par contre, je peux témoigner alors à double casquette, puisque dans le comité de pilotage de ce travail qui a été conduit, je faisais partie du comité de pilotage au nom de l'ABF Bretagne, puisque j'en suis la présidente, et j'ai participé au groupe de travail, puisque par ailleurs, je suis directrice adjointe aussi d'un réseau. Je voulais vraiment vous inviter à aller voir le site de Livre et Lecture en Bretagne, parce que voilà, tout le travail, Claire en parlait, qu'on a mené pendant 2 ans, et qui n'est pas fini, parce que alors, la dynamique, elle est réelle, il est là, il est mis en ligne. On a travaillé sur des thématiques qui étaient vraiment les thématiques à cœur des coordinateurs. C'est vraiment au-delà de la volonté des tutelles de mener ce travail-là. Il y avait un développement des réseaux avec des nouveaux collègues qui arrivaient sur les postes de coordinateurs, qui découvraient le métier. Chaque réseau est différent. Il n'y a vraiment pas de copier-coller à faire. Chaque contexte de tutelle entre effectivement les EPCI, le rôle des bibliothèques départementales est différent et certains collègues étaient en difficulté. Et donc il y a vraiment eu une mobilisation, une solidarité entre nous. Ça a été très très riche. Et donc tout ce travail est transcrit. Il y a une cartographie, il y a des fiches-outils, il y a le jeu dont tu parlais. Nous, on continue et on continuera à alimenter ce travail-là. On est de toute façon plusieurs impliqués aussi. Dominique vient de partir, mais dans la commission ABF Bibliothèque en réseau. Et peut-être le mot de la fin par rapport à ce que disaient les collègues, c'est surtout de trouver les moyens d'échanger, y compris entre coordinateurs, comme on le fait un peu là en ce moment, parce qu'effectivement, comme il n'y a pas de modèle de réseau et de fonctionnement, c'est en échangeant qu'on va expérimenter ensemble, que ce soit sur les fonds flottants ou autre chose, sur les navettes. Là, moi, j'arrête pas d'être sollicitée sur les navettes. Et c'est comme ça qu'on va oser innover, expérimenter, avancer, et tout ça, c'est de toute façon au bénéfice du service des usagers. Merci beaucoup, je ne pourrais pas dire mieux. Sauf que c'est l'heure du speed dating des commissions et que vous pouvez nous retrouver, la commission Bibliothèque en réseau, pour en discuter plus avant. Je vous signale aussi, quand vous cherchez un exemple de réseau qui a mis en place des fonds flottants, qui a mis en place une politique documentaire partagée, concertée, commune, etc., que nous avons mis en ligne un tableau que vous pouvez télécharger sur le blog de la commission et qui est un répertoire de réseaux. En tant que réseau, vous pouvez y contribuer, y participer, vous mettre en ligne avec les autres, et sinon, vous pouvez le consulter pour essayer de trouver dans ce tableau des références, des collègues à appeler, justement, pour vous expliquer comment ils ont fait sur ce que vous voudriez faire aussi. Voilà. Et la plupart des fiches de la commission Bibliothèque en réseau ont été mises à jour sur le site, elles en avaient bien besoin. À tout à l'heure.